les hommes, elles sont les femmes, les groupes réels. Certains débutent, d'autres terminent leur carrière. Aux quatre coins de la planète, ils conçoivent, vendent, fabriquent, vérifient. Beaucoup ne se connaissent pas, certains ne se verront jamais, mais peu importe, ils ont en commun l'esprit réel. Parce que c'est une machine qui est particulière, remarquable, une machine unique. Ce portique de levage, c'est un colosse qui tourne dans le port de Cherbourg. Grâce à ses mouvements souples, il défiant les intempéries, il permet de charger et décharger des bateaux qui transportent des produits radioactifs. Et ce portique n'est pas le fruit du hasard. C'est un travail collectif qui l'a amené jusqu'ici. C'est un travail de famille, quoi. Oui, ok. Faites attention que je... Centre de production de Villefranche-sur-Saône, 110 personnes s'activent ici chaque jour. Soudeurs, monteurs, mécaniciens, on teste, on produit, on peaufine le moindre détail. C'est pas la soirée, c'est quand même le bureau assez un peu stressé, comme on dit. Ils sont là pour vérifier le bon fonctionnement du chariot nécessaire à une gigantesque usine d'aluminium située en Sibérie. Indispensable de vouloir sauter. 9 chariots de ce type ont été commandés en dernier. Le marché est d'envergure, un symbole de dynamisme pour l'entreprise. Donc oui, moi pourquoi je suis là depuis 10 ans dans le réel, c'est parce que bah, y a bien cette voie avancée. Voilà, ça peut aller très vite et ça se passe bien. Bahreïn, une île de 45 km de long, un bâtiment central d'un kilomètre 4. Ici, 800 000 tonnes d'aluminium sont produites chaque année. Transporter les anodes du four, de même que les brûlants sont nécessaires, Alba a fait confiance à l'équipe de l'île. Et la partie active vient d'Europe. Elle est extrêmement profonde. Je connais ici, ils savent c'est quelqu'un qui avance droit, qui a une parole, qui est là, qui fait des soucis aux clients, qui essaie de placer en force. On fonctionne à la barrage hydroélectrique sur un bras du fleuve Saint-Laurent. Deux immenses portiques de levage sont installés pour aider à ouvrir les vannes. Le portique est capable de résister à des vents de plus de 100 km/h et donc soumis à rude épreuve. Visite de contrôle régulière, obligatoire. Les ferrures, à l'intérieur, on s'en va en coche, parce que c'est de la souveraineté, ça ne peut pas nous entrer dans la ferrure franchement. On les fabrique en coche, et les travailleurs, on leur a montré ce qu'ils allaient fabriquer. Et les gens, je veux dire, on était très impressionnés. Montréal, c'est la première implantation de réel à l'étranger, c'était en 1985. Environnement fermé, technologie de pointe et sécurité renforcée, l'aventure du nucléaire a commencé dans les années 60. On va démarrer l'écran de conduite, et on va faire le dernier réglage de la régularité.
Nous sommes au cœur même de la centrale où se manipulent le combustible, patience et vigueur, c'est indispensable. À nous mettre en dessous, sous l'eau, le bras télescopique se doit d'être précis au millimètre près. Lorsqu'on fait des opérations de combustible, c'est-à-dire un déchirement de l'épreuve de la lune, il est dans le secteur. Centrale nucléaire de Fémis qui mène l'histoire d'amour, l'un des premiers contrats de la société réelle. Travaux de vérification sur un pont roulant pour André Lacrousse. Depuis 2 ans, il travaille pour réel, après 10 jours passés à Arcelor. Un choix mûrement réfléchi. L'impression que vous n'avez pas sur votre plan. Donc, par son passé, par ses évolutions, par son directeur aussi. La saga de l'Airbus A380 réelle était là pour ce rendez-vous historique. Ici, on produira dans l'avenir 1 million par semaine, une prouesse industrielle et technologique. Alors en cas d'incident, les salariés... Et comment ne pas oublier cette belle journée ensoleillée du 29 avril 2005, ce fameux jour où l'Airbus A380 s'envolait, découvrant une des privilégiés. Ce jour-là, Airbus devenait une passerelle sur le monde, comme réel, depuis 60 ans. Comme depuis 60 ans, sous une aventure qui est loin d'être terminée.